Alors, après avoir traînaillé un petit peu ce matin, on a trouvé un spot ici, pas loin de Harcourt. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un château. Un de plus à la collection des châteaux. On est au château d'Harcourt. On va aller visiter ça. On va un peu les couleurs de Gryffondor. Et voilà, il est là. Andrea, il s'est choisi toute seule ce matin. Ce matin, donc. Pas mal. Alors ici, on a un être commun, c'est le voir des êtres extraordinaires, je vous en présente deux. Salut les filles. Bonjour maman! Bonjour maman! Qu'est-ce qu'il fait dans la cabane? On va se quitter dans la cabane, les filles? Oui, dans cela? On est dans les faubourgs de Harcourt et de Papinco. Prête? Oh, c'est une belle cabane que vous avez, les filles! Oui! Ah. C'est où vous dormez, les filles? C'est où vous faites dodo? C'est dans le camping-car. Ok. Et moi, je dors dans mon lit rose. Bravo. Et demain, dans le orange. Bah oui. On peut pas aller dans tous les cabanes ici. Ah, elle écrit ça? Oui. Bravo, mon cœur. Et je suis dans mon jeu et elle dit on peut pas aller dans tous les parquets. Bravo. Et là, elle dit on peut pas aller dans toutes les cabanes. Aussi? Oui. C'est déjà écrit au-dessus? Dans toutes les cabanes. Et là, elle dit on peut pas faire ton promenade. Pas faire ton promenade? Non. Ah non, sinon on peut se fatiguer. Et se faire, on peut se fouler la cheville. Oui. Et Jules-là, elle dit. On ne peut pas prendre toutes les cartes. Ah ben non, il faut laisser pour les autres, sinon il faut partager. Hein. Oui. Encore pour tout le monde. Et Jules-là, elle dit, on ne peut pas louer les feuilles dans la cabane Jules-là. Puis il y a une barre, on ne peut pas passer. Ok. Puis papa, va par là. Ok, après. Et puis on revient. Oui. Et après, on va par là. Et on garde le là et on repasse là. Super. On y va? Oui. Allez, c'est parti. On a un enfant fatigué par ici. Pas de sieste aujourd'hui. Oh là là, mais il y a plein d'activités dans ce parc. Bidou nous lâcher. Voilà. Bidou nous tenir. Ah, tranquille la vie. Il y a un trou. Allez,
toi. Oh là là. Dernière fois, André, puis on arrête, hein. D'accord. C'est bien, Titi. C'est bien, Titi. Attends. Elle se remet de ses émotions. Quoi? Elle se remet. Là aussi, vous regardez. Prête? Voilà. Alors, fin de la visite du château d'Harcourt. T'as bien aimé, Andrea? Oui. Oui, t'as fait ce que t'as aimé, mon cœur. Voilà, elle reste sans voix, tellement c'était stupéfiant. Et plein de magie. Alors, juste à côté du camping-car, qui se trouve par là, on a des petits parcours, barres d'exercice. Et maintenant, pour t'utiliser, c'est un peu petit. On va Alors, petit chemin dérobé pour aller au centre-ville d'Harcourt. On va aller voir avant demain matin s'il y a une petite boulangerie, histoire de repérer les lieux. J'ai cru voir une église. On va voir l'église des filles, c'est l'ouverte ? Ouais ! Ouais ! Alors, voici dans le centre d'Harcourt. Normalement, juste derrière cette maison, il y a quoi ? Il y a une église. La commune d'Harcourt a ses enfants morts pour la France. C'est quoi directement? Oh, c'est maman? Oui. Ouais, elle va être contente. Oh. Rouge et orange. Elle est magnifique. Elle est là, elle est magnifique. Je vous dis, maman et papa, ça fait 11 ans et demi qu'on est ensemble. Oui. Avec moi et avec Zizi. Et avec moi et toi, Zizi, ça fait plus de 3 ans. On va faire sa maman? Oui. On va être content. Mon cœur. Dans le verre. Vas-y. Non.